et des villes sont détruites. Est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce que c'est un signe d'empathie? Je ne pense pas. Quand en 1995, François Mitterrand, président de la République française, est venu pour la dernière fois devant le Parlement européen, il a dit, et il avait raison, le nationalisme, c'est la guerre. Eh bien, face à ces nationalistes, face aux discours nationalistes que l'on entend, eh bien, nous devons faire en sorte que, avec l'Union européenne et dans le cadre de la diplomatie européenne, nous puissions trouver des solutions humanitaires qui permettent effectivement à ces enfants accueillis dans ces camps de réfugiés ou au Liban ou en Jordanie ou ailleurs encore, eh bien, ils puissent trouver par notre financement une source d'espoir. Et c'est là qui est le plus important, je crois, dans l'action que nous menons. Oui, non seulement c'est courageux ce que nous faisons avec Madame Mogherini, mais c'est aussi de l'empathie humanitaire. Et cette empathie humanitaire, jamais les nationalistes ne peuvent le développer. Pour les interventions à la demande, j'ai quatre demandes et je vais commencer par Monsieur Ward. Thank you, Madam President. Madame Ward, pardon. Merci, Madame le Président. Je reviens de Jordanie.